Ça, c'est Aaron. La Bitsot, c'est le Emek Israël. Et ça, c'est en fait les champs pas encore labourés de l'Emek Israël. Ces deux palmiers, il ne reste que celui-là. C'est une photo qui date d'il y a 100 ans. Cet arbre-là est tombé. Et celui-là est encore là. Ça, c'est le village. Mais ça, c'est dans les premières années de Nahalal. Quand c'était le cercle. Oui, maintenant, ça, c'est un cercle, toujours. Ma famille habite là, plus ou moins. Ah, ok. Toujours? Oui. Maintenant, on a une ferme là et une ferme là. Mais qui de votre famille habite là? Oui, même Mishpacha Shelcha gar sham. Gar sham dod echad sheli. J'ai un oncle qui habite là. Ach sheli, ima sheli. Le frère de ma mère. Il a un grand truc de vache. Ah oui. Gar sham dod sheli almana shel ach sheli, ima sheli. Du frère de ma mère. Et il habite aussi deux filles et un fils à elle. Maintenant, il a commencé à faire de la politique. Ram Ben Barak. Il était l'adjoint du chef du Mossad. Ah, en quelle époque? Pendant longtemps. Maintenant, il a quitté déjà le Mossad, on a le droit de montrer sa figure. Et on est politique. Il est rentré en politique maintenant. Dans quel parti? Le Yair Lapid, Yeshatid. Yair Lapid, Yeshatid. C'est le centre Lapid, c'est ça? Oui. Okay. Centre Lapid. C'est le centre. Ça dépend de où le vent tourne. Il est centre, parfois il est droite, parfois il est gauche. D'accord. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on m'a dit. Oui, je comprends. C'est. Il y a une question qui m'intrigue, mais comme ça, c'est pas. Votre père, il sera. Est présenté comme il y a un mot qui explique pour dire intelligent ou. Comment il dit ça? Il y a un mot pour employer. C'est un mot pour se moquer un peu. Oui, j'ai compris. Les pionniers socialistes, comme mon grand-père, méprisaient les gens de la ville, méprisaient les intellos. Avec petites lunettes, comme vous. Ils ne voulaient pas être des fermiers. Que le juif revienne à la terre. Il était poète. Il avait la peau très blanche. Il n'avait pas des bonnes mains, une grosse rugueuse. Et on se moquait de lui. Au lieu de dire intelligent, Tilignat. C'est bon, bah, ravite, ça. Oui, ça m'a frappé. Ils ont juste changé les voyelles. Oui, Tilignat. Oui, je cherchais dans ma tête comment c'est. Ah, mais ironie, ça a été. Mais là, être de la ville, être urbain, c'est vraiment la chose qui était la plus critiquée dans le village. Oui, c'est ça. C'est le premier village en Israël. À l'époque, tous les enfants étaient ensemble dans des maisons. Dans la maison des enfants. Lui, il n'a pas été là-bas. Ils habitaient tous ensemble. Ma mère n'a pas accepté ça. Alors qu'elle s'occupait de la maison des enfants. Elle travaillait à la maison des bébés. Elle ne faisait pas partie, elle n'était pas membre du kibbutz. Elle était juste. Elle travaillait, elle avait un salaire. Oui, donc elle pouvait être. Et elle était, elle aidait avec les enfants. Elle était maîtresse. Okay.
Pourquoi vous parlez peu de votre père? Dans ce livre, dans ce livre. 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 Pour l'amour de Judith. Pour l'amour de Judith. Et là-bas, le personnage de Judith. Et là, le moment le plus important pour lui de l'histoire d'Israël et de la sienne. Tout. À quoi? לא יודע מה להגיד לכם על רגע כזה, הרגעים הכי חשובים בחיים שלי לא קשורים למדינה, הם רגעים אישיים. Oui, bien sûr. Bien sûr. Je comprends. On me dirait l'histoire de France et quoi le plus important. Je vais dire des conneries. Mais alors dans ce cas-là, on peut prendre par le biais du moshav, kibbutz, etc. Et partir de là en rêvant. Du fait que la plupart de ma vie, j'ai vécu en ville. Je sais. J'ai vécu à Jérusalem. Je sais. Et il a quelque chose à dire sur le Jérusalem Jérusalem d'aujourd'hui, elle est insupportable. Jamais elle s'est intéressée à qui sont les gens qui vivent la journée. C'est l'image que j'ai déjà utilisée plusieurs fois. Elle est comme une femme d'un certain âge, une femme âgée, qui a des albums de ses anciens amants passés, qui sont très beaux et très importants. C'est Jérusalem, c'est David Améler, David le roi, Yeshua, Jésus, Ishayahu, Richard de Lionheart, מהצלבנים, גוטפריד מבויון, כל סלאח א-דין, מוחמד בלילה אחד, מוחמד את הריבי הנוי, יש לה את כל אלה תוסה, מסתכלת, ולא מעניין אותה אנשים הקטנים והפשוטים שגרים בה עכשיו. לג'ון פוטי כמזה כי יביט דן למתנו, דן לטן פרזן. וזה גם עיר שהתרגלה שימותו בשבילה, שילחמו עליה. Qu'on se batte pour elle, qu'on meurt pour elle. Oui, bien sûr. Bien sûr. שיבואו. Énormément. איזה עוד עיר בעולם עשו עליה את מסעות הצלב? On a fait les מסעות הצלב. קרוסת. קרוסת. רק על ירושלים. אימנו יהיה טראמפ. ועכשיו יש את טראמפ. Non mais c'est incroyable. Quand Trump était ici. Non, je sais. Et elle est toujours aussi orgueilleuse. Et il y a une autre gavtanit. Gavtanit, alima. Et aussi violente. Et jalouse.
Jalouse de qui? כן, jalouse, אני מבין. קנאית, למה? מקנאית. מקנאית למי? לתהילה שלה, לשם שלה, למעמד. Jalouse de Salvador. De son statut. ברומא, אתה הולך לראות את הפורו רומנו. Le Foro Romano. זה מקום בשביל תיירים. C'est un endroit pour des touristes. Bien sûr. אצלנו, הר הבית. La הר הבית. Mount Temple. Le Mont du Temple. Oui, oui. C'est un endroit pour les gens fanatiques, le mishtara, le pour tzava, la police, pour l'armée, bien sûr. La vanine, pour les pierres, c'est pour les fous. Oui, okay. Je suis d'accord. Mais c'est d'ailleurs ce qu'avait ressenti Jésus en son c'est temps. C'est comme chez Yeshua, je vous ai dit. Il supportait plus Jérusalem. Oui, mais Jésus est parti à Jérusalem parce que... Parce que ses parents l'ont amené. Qui a voulu que je l'ai vu autour. Non. Si. Alors, comment? Yeshua nolad be Bethléem. Jésus est né à Bethléem. Je sais. Qui est à quelques kilomètres de Jérusalem. Il est venu à Jérusalem pour faire entendre ses principes. Lui, il est venu à Jérusalem et son but, c'était... המטרה שלו הייתה לא להקים דת חדשה. Pas de faire une nouvelle religion. Non. Il voulait létaken et hayadou. Il voulait réparer le judaïsme. Je sais. Mais les autres l'ont dit non. Réparer en roulolo. Nachon. כמו שהם אמרו לירמיהו. Donc tu fais. Comme ils ont dit à Yirmiyahu et comme ils ont dit à Yishaou. Comme le fanav היו כאלה. Aussi avant, il y en avait d'autres. Mais bien sûr. Avant. Ils ne supportaient pas. Le catholicisme, c'est Paulus. Saint Paul. C'est Paul, bien sûr. Jésus, il n'avait rien à voir avec la nouvelle religion. Mais simplement, c'était un rabbin, ce qu'on pourrait qualifier de libéral. Non. Et qui s'est fait jeter par les gens de Sanhedrin. Les gens du Sanhedrin, je crois. Il l'a rejeté. Alors que maintenant, le monde serait... S'il n'y avait pas eu cette histoire, cette connerie, le monde serait juif, d'une certaine façon. Il n'y aurait pas de christianisme. Non, mais c'est vrai. Que le fait qu'aujourd'hui le rabbinat en Israël n'accepte pas les réformes. C'est pareil, c'est toujours la même histoire. En France, on a le même problème avec les institutions juives, qui sont très conservatrices, de droite. C'est la racine de tous les problèmes, j'écris ça. La racine de tous les problèmes. Et est-ce que c'est aussi Jérusalem, d'une certaine façon? C'est-à-dire les problèmes occasionnés par cette racine-là, qui crée par exemple l'économie de peuplement, le marché de cette forme, c'est chez la et chez les rapport. C'est un rapport. Parce que les colonies, etc., les premières colonies, après la guerre des six jours, étaient de gens religieux que Dieu avait promis à Abraham, notre père, et la kvarim akdoshim, et la mekomot akdoshim sacrés. Il y a aussi des colons qui y vont pour des raisons économiques. Oui, c'est bien sûr. Mais les sont moins chers. La plupart sont vraiment des religieux et qui vont de manière idéologique. Ce qu'on appelle des sionistes religieux, c'est ça? Sionistes et sionim datim. Oui. C'est ça. Et c'est quand même l'esprit de Jérusalem qui se trimballe là-dedans. Il y a quelque chose de la roue de Jérusalem qui est oui, absolument. C'est comme Jérusalem, c'est comme un centre nucléaire. Oui. Qui est sorti de contrôle, qui n'est plus contrôlable. C'est ça. Et ça va partout. Ça projette partout. Est-ce que vous pensez que c'est inquiétant pour l'avenir, ça? L'avenir d'Israël. C'est très inquiétant. Jérusalem, elle peut exploser. Sur Jérusalem peut exploser la nouvelle guerre. Et ça peut se développer aussi en guerre mondiale. C'est ce que je dis, c'est ça. C'est ça. Comment arrêter ça? Quand on a Dieu avec soi. Chacun pense que Dieu est avec lui. מספיק איזה משוגע נוצרי או יהודי שיפציץ את הר הבית וכל העולם מתפוצץ יחד. אה, את כל העולם.
Le djihad d'un côté, les djihadistes d'un côté, les juifs comme ça de l'autre. C'est terrifiant. C'est mon match pour Fried. Armageddon. Armageddon. Armageddon, exactement. Exactement. Non, mais c'est très bien. C'est Armageddon. C'est proche d'ici. Armageddon, c'est 15 km en ligne droite. 15 km Armageddon. Armageddon, 15 km. Ok, de Kardashian. C'est alors. C'est Megiddo. C'est Megiddo. Ah, d'accord. Ça, c'est drôle. Enfin, c'est drôle. C'est formidable, hein, ce que vous dites là. Mais parce que pour quel mètre, quel mètre dans la maison ici dans ce pays, où t'as un il vibre de historia, de date, de religion, de sainteté, de kitsoniyot, d'extrémisme. אני כתבתי בספר הזה על הגינה שהגינה... Moi, j'ai écrit dans mon livre sur le jardin. שהגינה שלי... Que mon jardin... שהיא 1,000 meters square fait 1,000 meters carrés היא חתיכת האדמה הנורמלית היחידה בישראל. La seule pièce de terre normale de toute Israël. אף אף איש קדוש לא קבור אצלי בגינה. Personne de saint. Qui est enterré là-bas. Mais où? Yeshu ne s'est jamais assis là-bas. Shlomo n'a jamais mangé là-bas. Et Mohammed n'a pas visité. C'est la terre normale qui m'appartient à moi. Et qui appartient aux cochons sauvages. Aux serpents. Aux fourmis et aux fleurs. C'est tout. Et il vit. Dernier. Et il vit. Le jardin. Ah, alors, vers Adama, d'autres haïa. Ok. Parce que le reste, ça étouffe. Qui a Charlie Khanek, la sainteté étouffe. Ah, Kusha, Zot Mokhnika. Zé Amar Nidmeli, Goethe ou Heine. C'est Goethe ou Heine qui a dit ça. Amar, qui a dit al Roma. Sur Rome. אם לא היית כל כך קדושה, si tu n'étais pas aussi sainte, הייתי אומר שאת מסריחה. Je dirais que tu peux. Mais on peut le dire, je crois, Jérusalem. Mais vous cherchez à Jérusalem. C'est vrai, quoi. C'est... Quand tu vois Jérusalem... Là, j'ai écrit au journal. Le Macha. Pour demain. Ah oui. Qui ביקר פה עכשיו סגן הנשיא של ארצות הברית. ונתניהו נסע לו נאום. והוא ציטט מתוך ספר של מארק טוויין על ביקור בארץ לפני 150 שנה. דה מארק טוויין? כן. והוא... J'ai tourné. Oui, j'adore le temps de Jérusalem. Oui, c'est formidable. Il faudra le traduire. Enfin, j'ai le traduit. Non, il traduit. Popo a été auto. Il est là-bas, oui. נתניהו אדון פי מארק טוויין. זה הכותרת באנגלית. זה אינסן סבוד. It's a journey they took to Europe and the Middle East. אה, oui. כן. ילו, il a cité quoi? והוא כותב כאן על ירושלים. Là, il écrit sur Jérusalem. הוא כותב על ירושלים. שהיא מנוחלכת. Les innocents à l'étranger. ומסריחה. והוא לא רוצה לחזור לשם יותר. ואי אפשר לחיות בעיר הזאת. ואתה יודע שמלוויל, הסופר, הרמן מלוויל, היה פה בערך באותו זמן. והוא גם ביקר בירושלים. והוא אמר, ירושלים מוקפת בתי קברות. והמתים הם הגילדה החזקה ביותר. La guilde la plus forte. La bande la plus forte. וזה כל כך נכון. C'est tellement vrai. כי תראה, גם בממשלה שלנו. Aussi dans notre gouvernement. וגם בממשלה של הפלסטינים. Des Palestiniens. וגם בעירייה של ירושלים. Aussi dans la mairie de Jérusalem. כשיש ישיבה. Quand il y a une... מאחוריהם,
עומדים המתים האלה. Tous ces morts sont debout. ואומרים להם מה לעשות. Et leur disent quoi faire. כן. Les morts qui guident. המתים הם המובילים. הם כן, הם מנהיגים. כן, כן. Qui sont les leaders. C'est terrible. Et ça sort demain, ça? Vous avez aimé ça, Ok. Oui. Bravo. Bravo, c'est formidable. Tadaraba. Non, pas Tadaraba. Tadaraba. Mais toi. Mais c'est formidable parce que c'est vrai que c'est ça. C'est ça, c'est de mettre dans ta. Ça étouffe quand tu es sur